L'apôtre Paul, après avoir montré que la grâce de Dieu, la richesse de sa grâce est infinie, développe au verset 8 en disant « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Et évidemment, c'est là un verset clé, non seulement de l'épître de Paul aux Éphésiens, mais de tout le message de la Bible. C'est par grâce, c'est une faveur, c'est un don, c'est par amour, et Paul a bien insisté là-dessus, c'est par grâce que vous êtes sauvés. S'il n'y avait pas cette grâce, il n'y aurait pas de salut. S'il n'y avait pas cette grâce, il n'y aurait pas de vie. C'est par cette grâce que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais il insiste en disant qu'il y a un moyen, et le moyen, c'est celui de la foi. Donc oui, il faut la grâce, mais il faut aussi la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de la foi est donc le chemin par lequel il faut passer pour bénéficier de cette grâce que Dieu a manifestée en faveur des hommes. Et vous vous souvenez qu'on avait déjà évoqué cette question un petit peu difficile concernant la prédestination. Ici, l'apôtre Paul est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une question de foi. C'est une grâce, et cette grâce, elle vient de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvions aller chercher ce salut. C'est Dieu qui l'a manifesté par amour, par grâce, c'est une faveur. Mais il y a un moyen, et le moyen, c'est celui de la foi. Et quand l'apôtre Paul dit « cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu », il fait référence ici à la grâce. La grâce ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui pouvions donner Jésus, ce n'est pas nous qui pouvions offrir le prix du rachat. Hein, on a parlé de rédemption, vous vous souvenez, il y a quelques semaines. Cette grâce, elle vient de Dieu, c'est un don, c'est une faveur, c'est le plan de Dieu de donner son Fils afin que nous soyons sauvés. Mais il y a néanmoins un moyen, et le moyen, c'est celui de la foi. L'apôtre Paul développe au verset 9, « Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il y a ici un contraste qui est en train de se faire. « Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. » Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par nos œuvres, c'est par l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la foi. Et il explique en disant « ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie, parce que la gloire doit revenir à Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous allons développer ça demain. Mais pour l'instant, juste rester sur cette pensée, ce n'est pas par les œuvres afin qu'on ne se glorifie pas, c'est par la foi, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un don immérité de Dieu, et ça vaut la peine d'être reconnaissant et de dire merci à Dieu pour cela, et méditer sur cette parole dans cette journée encore.